Salut les petits loups, c'est Bob de Pesso. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Elle va être relativement rapide, enfin je l'espère, tout du moins. Je vais vous montrer mon petit parcours pour dès que j'arrive dans Dofus, qu'est-ce que je fais. Je consacre normalement 3 à 4 heures par jour. Si jamais par exemple il y a des petites sorties entre guildes, donc ça c'est court, hein, bien entendu, je ne fais pas que ça, mais en général la nuit je suis assez seul. Donc là, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Les seules personnes qui y a, je leur dis bonjour, et là, on n'est pas prêt à faire un gros truc. Donc du coup, je vais en profiter justement pour vous montrer qu'est-ce que je fais pour me faire un petit peu d'argent et tout et tout. Donc bonjour à Jersey, et bonjour à Sakiwan déjà, qui sont présents. Il est 3h du matin ou 2h, un truc comme ça. Alors je vais vous montrer un petit peu mon petit parcours de business, de farm. Parce qu'il faut savoir quand même que dans Dofus, hein, il faut de la thune, hein, ça, il n'y a pas de secret les petits loups, ça c'est clair et net. Alors je vais vous montrer de A à Z. Non, pas de A à Z, de A à F. Hein. C'est plus ça, ouais, parce qu'il y a tellement de business que je fais. Mais ça c'est les plus courants, voilà. C'est plus ça en fait, c'est les plus courants. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, avant de commencer ceci, je vais déjà vous montrer quand même mes métiers. Donc j'ai les métiers de crevard, alchimiste, bûcheron et mineur. C'est les métiers, donc deux métiers de récolte et alchimiste qui fait partie moitié récolte, moitié craft. D'accord ? Un petit peu bûcheron aussi, vous pouvez craft, et même mineur, vous pouvez craft. Bon, en fait, j'ai rien dit. Hein. Les trois, vous pouvez craft, mais c'est des métiers qui rapportent beaucoup parce que ils sont chiants. Faut appeler un chat un chat, hein, ils sont chiants. Tiens, je vais mettre 5 points de vitalité. Hop là, profitons-en. Voilà, j'ai ça. Et en équipement, qu'est-ce que j'ai d'équipé? Alors j'ai plusieurs sortes d'équipements. Donc j'ai équipement rapide numéro 1. Donc. Alors ça c'est vraiment l'équipement pour farmer, c'est-à-dire j'obtiens 10 882 pods, tout en n'ayant pas trop de force. Hein. Vous savez que la force permet d'avoir beaucoup plus de pods. D'accord. Alors qu'est-ce que j'ai d'équipé? Alors j'ai le sac du grand aventurier, j'ai le Bjorki bien entendu qui me permet d'avoir 1000 pods, j'ai l'anneau de gadget qui me permet d'avoir 18 forces, j'ai le bracelet donc du chef Bjork qui a 55 forces, la ceinture du bouffetou à 500 pods jet perfect, la brabotte à 60 forces, l'amulette royale du bouffetou 40 forces, la bouffe coiffe royale 92 forces, donc FM hein, bien entendu. En trophée, j'ai donc le forcené 50 forces, le porteur 500 pods, le porteur majeur 1000 pods, le porteur mineur 250 pods, le furibond majeur 60 forces, le forcené mineur 25 forces. Alors donc ça c'est pour farmer. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, là où je vais aller justement, ça aggro énormément. Hein. Donc c'est en l'occurrence le camp des Bjork. J'ai donc pour ceci, pour me battre, un équipement tout balourd, un équipement très bas level, mais qui est toujours présent. J'ai un FM en 1 PA sur le Minoto Corno. J'ai mis donc Dofus Calyptus pour la prospection, le voyageur 1 PM, le porteur majeur, le Dofus Kawad pour la sagesse, le turbulent 1 PA, le survivant majeur, et donc la panoplie du Minotaur avec une Gelano en prospection plus 1 PA. Et j'ai le Nomoun en familier qui me donne 90 prospections. Alors ça c'est pour les petits combats, hein, parce que je vais aller dans le cœur de Bjork, c'est ce que je fais tout le temps, donc ça me suffit largement. Par contre pour le coup, j'utilise rarement le Nomoun. Alors je vais vous expliquer pourquoi, on va commencer mon petit parcours déjà. Alors qu'est-ce que je fais en priorité dès que j'arrive dans Dofus? Je m'occupe de mes dragons d'Inde. Alors ça faisait longtemps que je m'en étais pas occupé. Ça y est, je m'y suis remis, parce qu'il faut savoir quand même que ça rapporte énormément d'argent. Il hein, faut être franc, donc voilà. Donc je m'en occupe. Là on en est où déjà? Attendez, je regarde. Hop, donc ça c'est la barre d'amour. Donc là il faut encore un petit peu, là il faut encore un petit peu, là il faut encore un petit peu. Là, faut... Bref, voilà, je m'occupe de mes dragons d'Inde, je les place dans les enclos qu'il faut. Et lorsqu'elles font des bébés, il faut les level up. Et donc une fois que j'ai les dragons d'Inde, j'ai fait les bébés que je voulais. Donc déjà j'essaye sur un site de regarder qu'est-ce qui va me rapporter énormément d'argent. Donc à savoir des parchemins qui s'échangent via un PNJ. Si vous ne le connaissez pas, on va y aller vite fait avant que je vous montre mon petit parcours. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais là je la refais. Je vais essayer d'être super rapide. Alors lorsque vous avez une dragon d'Inde, elle s'échange auprès d'un PNJ. On va aller donc Château d'Amakma. Voilà, le PNJ qui se trouve là-haut.
Voilà, c'est lui. Donc c'est le garde montait, hein, le garde montait qui se trouve à la position 4-6, ok. Et lui donc échanger une monture. Donc vous échangez sous forme de certificat. Ben voilà. Ouais, c'est exactement ça. Sous forme de certificat, par exemple dragon d'Inde prune, si je l'échange. D'accord. Alors vous voyez, par exemple, si j'échange une dragon d'Inde prune, j'obtiens donc un puissant parchemin d'intelligence. Qui se revend donc, voit l'estimation à peu près à 77 700 kama. Alors c'est très rapide de se faire tout ça. Hein. Alors, ça c'était juste un exemple. Donc là je reviens à mes moutons, c'est-à-dire que je vais retourner dans le petit coin, donc l'hôtel de vente des animaux. Et donc je vais aller aux enclos publics. Alors ne vous prenez pas la tête avec les enclos privés. Nous on en a plein dans la guilde, je m'en sers jamais, je me sers que des enclos publics, je me prends pas la tête. Ça me coûterait trop cher de faire des objets d'élevage et tout, je me prends pas la tête. Donc vraiment utiliser les enclos publics, c'est vraiment très intéressant et ne vous inquiétez pas, c'est rentable avec le temps. Alors, une fois qu'elles sont... Il y a eu des bébés. Alors, vous voyez, comme on peut le voir là. Bon, par exemple, là, il faut que je la mette dans les enclos adéquates. Mais tout est plein pour l'instant. J'ai vraiment tout mis. J'ai vraiment mis toutes les dragons d'Inde. C'est full. Hein. Je m'en suis occupé tout à l'heure. Et donc là, c'est pas encore prêt. Donc là, par exemple, le caresseur qui va augmenter les barres. Si vous voulez que je vous fasse un tutoriel sur les dragons d'Inde, comment les élever, vraiment un bon tutoriel, dites-le moi, je le ferai volontiers. J'en ai déjà fait un sur ma vidéo, mais je ne l'ai pas trouvé terrible. Malgré qu'il a énormément de vues, hein, je crois 16 000 vues ou 15 000 vues, mais je ne l'ai pas trouvé terrible. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites, mais je peux éventuellement le faire si j'ai des demandes, d'accord. Donc là, par exemple, dans l'enclos, donc là, je vais attendre... Ah. Non, même pas, donc voilà, là ça m'intéresse pas trop. Donc je vais m'en occuper tout à l'heure. Alors dès que je suis arrivé, donc je me suis occupé des dragons d'Inde, de les placer dans les bons enclos. Et j'ai récupéré tous les dragons d'Inde en level 1 qui sont qui sont bientôt fécondes. Pour qu'elles soient fécondes, il faut qu'elles soient level 5. Donc du coup, là, je suis équipé donc actuellement donc d'une qui est donc je lui ai donné 90% d'expérience. Il faut que je la level up minimum au level 5. Voilà, je monte dessus. Qui va me permettre ensuite de faire des accouplements, de faire des bébés et d'échanger avec des parchemins. Les parchemins qui ensuite, vous les vendez donc à l'hôtel des ventes des documents. Voilà. Alors je me suis remis récemment donc au truc de dragon d'Inde, c'est-à-dire à l'élevage. Hein, donc je n'ai pas encore mis en vente. Hein, j'ai eu 2 mois d'absence, hein, bien sûr. Ah, on a un percepteur qui est attaqué par un level 157. Je vais le défendre quand même. Hein, je vais m'équiper comme ça. Il faut pas abuser quand même. Hein. Oh, je vais même faire mieux, je vais m'équiper... Non, je vais m'équiper autrement, c'est pas grave. Je suis le seul à défendre. C'est étonnant, ça. Bon, en direct, les petits loups, Bobby, qui va défendre. Oh, il y a Jersey. Coucou Jersey qui me soutient. Oh, c'était pas prévu, hein. Il est où, Eka? Je vais m'équiper en... Ah, il y a Sakiwan. Coucou Sakiwan. Ok. Bon, petite coupure le temps que le petit taureau d'ateur fasse le tour. Voilà, le combat va être lancé contre... on est 3 contre un pity... Enfin, pas un pity level, mais un level normal. C'était pas prévu, mais bon, ouais. Faut défendre. On est vraiment pratiquement les seuls actifs pendant la nuit. C'est vrai que dans l'Alliance, il n'y a pas beaucoup d'actifs. Ils sont surtout actifs le jour. Et nous, c'est vrai qu'on est très actifs, on est des nuiteux. On est vraiment jusqu'à 5h du matin. On est là à 6h, voire 7h des fois, surtout moi. Voilà. Donc il veut pas jouer, il va laisser passer son tour. Donc moi, je vais faire des coupures. Non, voilà, il vient de mourir, enfin je trouve ça. Bref.
Ouais, il a survécu. Donc, je vous disais, donc, hôtel de Vendée, documents. Une fois que vous avez échangé vos dragons d'Inde, alors, si vous vous démerdez bien, si vous prenez une heure sur vous de votre temps à élever des dragons d'Inde, et lorsqu'elles ont des bébés, hein, c'est un élevage intensif. Hein. Moi, j'ai pas mal de succès, je crois. Mais il m'en manque énormément. Hein. Il m'en manque un sacré paquet, quand même. Mais j'en ai fait pas mal, quand même. Et Quick, tu as gagné la liberté. Enfin, j'ai fait pas mal de succès. Et il m'en manque aussi pas mal. Donc, voilà. Et une fois que vous avez donc les dragons d'Inde, vous les échangez, vous les revendez et vous faites énormément d'argent. Donc vous pouvez vous faire, si je dis pas de bêtises, à peu près, on va dire, allez, 4 à 6 millions par jour. Ça dépend des dragons d'Inde que vous mettez en vente. Normalement, c'est 30 bébés et 40 lorsque vous faites de l'élevage intensif tous les jours. Okay. Alors ensuite, on va faire mon petit parcours. Alors le petit parcours, on va le faire en direct. Alors c'est parti mon kiki. On fait comme si que je vais jouer direct. Donc là, je m'équipe en mode comme ceci, c'est-à-dire en mode pod, et je vais faire mon petit parcours en direct devant vous. Comment je m'y prends? Bon, bah déjà, je vais à Makma, le bord de la forêt maléfique. Alors, je vais essayer de faire au plus vite parce qu'on m'a dit que mes vidéos étaient un peu longues. C'est pour cette raison que je vais aller. Je me speed, les petits loups. Petite info vite fait. Vous mettez surtout ne pas afficher tous les monstres d'un groupe hein, dans les options hein, surtout c'est très important donc vous allez là dedans hein, voilà afficher tous les monstres d'un groupe dans les performances hein. Moi je décoche de façon à voir que voir le mob qui va m'aggro. Voilà, alors je vais commencer alors je m'équipe déjà des mains vertes et je peux commencer ici déjà. Premièrement, on a un petit trèfle, alors faut tout gratter hein. Voilà. Ici. Alors je suis aussi bûcheron, on a de l'if, mais il y a un bot dans le coin tous les jours, donc c'est mort. Il y a un bot, il fait chier le monde, il est tout le temps là. Alors, je vais faire le petit tour. Alors c'est comme ça que je procède, hein, tout le temps. Voilà, le bot en question, il est là, il fait chier le monde. Le bot en fait, il fait que ça, c'est-à-dire il y a un programme pour farmer l'if qu'il y a. Pourtant je comprends pas parce que l'if, ça rapporte pas énormément. Bon. Le prix de l'if n'est pas là. Ah bah il y en a deux bots. Bah quand je me suis connecté il y a 2 heures, il était déjà là. Donc il s'appelle Wiz White. Il était déjà là il y a 2 heures. Il est là, il fait gauche-droite. Il repère en fait l'if qui est ici. L'if qui est du bois. Je trouve ça bizarre parce que ce que je récolte actuellement c'est largement mieux en termes de pognon, de revente. Hein. Voilà, je fais au plus vite, hein. Je fais de toute façon la vitesse que je vais tout simplement quand je farm. J'ai mon petit parcours, là on a une petite Edelweiss. Voilà, je repère déjà où sont les monstres hein, de façon à pas trop aggro. Et même si j'aggro, bah c'est pas grave, j'équiperai ma monture de façon à la level up 5. 5, pourquoi? Bah pour qu'elle soit féconde. Hein. Il faut savoir je les ai tous mis au maximum. Par exemple, regardez, je vais faire consulter la fiche de la monture. On peut s'apercevoir que toutes les barres sont à fond. Mais par contre, elle est level 1. Ce qui fait que je ne peux pas la coupler. Hein. Et ça, ça va pour toutes ces montures-là. Voilà, c'est exactement. Là il y a une orchidée frayest. Oh bah tiens, bah, voilà. Petit exemple sympa, il y a un groupe qui rapporte pas mal. Ce que je vais faire, j'équipe la monture. D'abord, je m'équipe de mon équipement Minotaur. Et j'équipe la monture. Voilà, et je vais combattre ce petit groupe. Vite fait, ça va être très rapide. Bon, ils sont pas très forts, hein, vous inquiétez pas. Alors des fois, vous pouvez également tomber sur des archimonstres, qui n'est pas du tout négligeable, hein, parce qu'ils se revendent au moins 250 000 zénis. Kama, je confonds avec le jeu Ragnarok, moi. Alors on peut, là, par contre, pour le coup, c'est vrai que j'essaie normalement de faire les challenges. Bon, là, quand je vois qu'il y a des challenges qui sont un petit peu lourds à faire, bon, je les fais pas, je me prends pas la tête. Donc petit combat, alors c'est vous allez voir les dégâts sont vraiment tout balourds.
Alors je tenais à souligner un truc, bravo, merci à Ankama, ils ont réussi à faire un truc, bon mis à part les bottes de merde, ça je les remercie pas, hein, parce que moi alors, je sais pas, ils font des trucs, mais ça se voit pas. J'ai jamais vu autant de bottes dans les mines simples. Merci à eux pour la correction, le correctif qu'ils ont fait par rapport aux invocations, c'est-à-dire que les invocations, pour moi, elles ne buguent plus. Avant, elles buguaient. Je parle de ça, j'ai fait une pause de 2 mois, et avant les 2 mois, donc quand je jouais, il y avait des invocations, carrément, fallait attendre 1000 ans avant que... voir leur tour total pour pouvoir jouer. Donc c'était vraiment chiant. Franchement, c'était vraiment pas intéressant. C'était long, les combats étaient vraiment rébarbatifs. Ça donnait vraiment pas envie d'XP, du coup je faisais que du business. Voilà, je fais un petit peu de business parce que j'ai un petit peu besoin de thunes. Voilà. Bon, je vais essayer de faire ça, fissa, histoire que ce soit pas trop longué non plus. Allez, le Björk, finis-le. Non, il l'a pas eu. Bon, je vais passer mon tour. Le tofu va s'en occuper. Voilà. Le tofu va s'en occuper. Ma monture est level 4. Plus qu'un seul level. Alors, je me rééquipe en mode crevard. Je rééquipe mes mains vertes. Voilà comment je procède. Y a un autre groupe qui s'y est mis. Par contre, je pourrais pas les éviter. Je vais essayer de voir si je peux éviter. Non, je peux pas éviter. Ouais. Donc je peux pas éviter. Alors ça aggro énormément, c'est un petit peu chiant, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Là donc je peux passer ici, je veux pas la faire, je veux pas une me battre contre le machin qui est là. Je vais prendre l'orchidée. Voilà mon petit chemin. Alors je fais toujours le même parcours. Alors donc, je vais récupérer donc du minerai, des fleurs. Ça se revend vraiment très bien. Et très rapidement, ça s'appelle des ventes constantes en fait. J'avais déjà expliqué hein, dans une vidéo ça. Hein. Mais là je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Vous voyez que je chope pas mal de trucs. Et en même temps, donc je pexe mes dragons d'Inde, puis ainsi de suite. Je les élève, je les échange contre des parchemins. Ça se revend super bien. Vous mettez un prix un petit peu moins cher que les autres. Et puis ça part vraiment très vite. Il faut que le stock il ne soit pas mort. Il faut vraiment un stock très, très actif. Je vais passer par là. Je vais essayer de ne pas aggro, si jamais j'aggro, j'utiliserai cette fois-ci, je mettrai la monture, d'ailleurs j'aurais dû la faire juste avant. Je crois que je vais aggro là, non je vais pas aggro, je vais descendre par ici. Ils sont vraiment très mal placés comme par hasard. Donc je contourne tout ça. Voilà, on va se trouver bientôt dans la première grotte qui est vraiment très intéressante. Justement aujourd'hui c'est de l'étain, il faut de l'étain. Alors quel est l'intérêt de ce parcours? Déjà on se fait de la thune déjà. Et puis en plus il n'y a pas de bottes. Hein, dans ces fameuses mines, il n'y a pas de bottes. Ok, bon cette fois-ci je vais équiper ça. Donc j'ai aggro, hein, ils aggro de 3 ou 2 cases, hein, il me semble. Allez, on y va là, faut aller vite là, hein, pas que ça à faire. Ok, je fais. Je récupère les petites fleurs. Alors, faut savoir qu'il y a aussi des fleurs qui sont cachées. Vous voyez, par exemple, ici, on voit pas très bien. Et ici aussi, regardez, il y a des l'ouest, on la voit pas très bien. C'est des choses à savoir, tout ça. Excusez-moi, si je fais des petites coupures, c'est parce que je tousse, je suis malade. Oui, il fait beau, mais fait froid. Bizarre. Donc, attraper un petit coup de froid. Alors, je vais commencer par les fleurs. Alors, repérer les endroits où je regarde. Par exemple, ici, il y a une orchidée frieste, mais on la voit pas. On la voit pas, elle est vraiment pas visible.
Ici, par exemple, il y a une Edelweiss, pareil, on la voit très très mal. Bon, on la voit un petit peu, mais on la voit très mal. Ouais. Il y a vraiment des fleurs cachées comme ça. Je m'occuperai donc du minerai après. Je vais déjà m'occuper des fleurs. Parce que juste le fait de se déséquiper de l'outil, ça prend déjà du temps. Donc là, c'est un gain de temps. Je me dépêche. Voilà. Ici, pareil, on a un trèfle à 5 feuilles qui est caché. Alors, s'il n'y a pas de... Allez, on y va là. Allez, on y va, on n'a pas le temps. Voilà, pour le coup, je vais équiper le truc du mineur. Alors, faut vraiment aller très vite, hein. Ne pas perdre de temps, être assez rapide et connaître bien son parcours. Et si vous faites ça, en 4 heures, vous faites énormément d'argent. Avec l'élevage de dragons d'Inde, si vous vraiment vous démerdez bien, vous pouvez atteindre, si vous faites à peu près 5 heures de farm, 5 à 10 millions, ça dépend. Ça dépend du cours aussi, du cours des ventes. Alors, qu'est-ce qui rapporte le plus pour moi dans Dofus? Donc, après des années de jeu, j'ai repéré quelque chose. Mais bon, je le ferai jamais. Pour moi, ce qui rapporte le plus... Alors, si je me trompe, on va me dire la forge de mage. La forge de mage, il y a une petite hésitation. Il y a beaucoup d'argent à investir. Et il y a beaucoup de hasard dedans. Moi, j'aime pas le hasard. J'aime bien quand c'est du vrai. Donc, moi, ce que j'ai repéré, c'est donc, par exemple, tout ce qui est les zones donc de Free Ghost 3. Le farmage en multi-compte, c'est-à-dire vous avez 5 comptes à vous. Et vous faites donc vous farmez des zones où les drops coûtent très 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 cher. Pourquoi ils coûtent très cher? Parce que bah, c'est des équipements level 200, des équipements très recherchés. Et comme il y a beaucoup de FM, il y en a beaucoup qui sont foutus. Donc il faut à chaque fois se retaper tout ça. Donc ça coûte vraiment très très cher. Vraiment, quand je vous dis très très cher, des fois ça peut aller jusqu'à 4 millions pour 10 petites merdes d'items. Vraiment, hein, c'est. Donc voilà, c'est ça qui rapporte le plus. Après, moi, ce que je fais, moi, ça rapporte, on va dire, pour un joueur lambda. Voilà, c'est ça c'est l'intérêt. Vraiment, pour un joueur lambda comme moi, vous faire à 5 à 10 millions par jour, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que vous faites en monocompte, vous jouez qu'un seul compte, et vous faites énormément d'argent. Donc c'est super. Et après, vous pouvez consacrer 2 heures de jeu. Donc 4 heures de farm, 2 heures de jeu. Donc c'est énorme. Après, vous pouvez viser quand même, allez, on va dire, sur 2 millions par jour, 3 millions par jour. On va compter une heure de farm. Voilà, ça dépend. Donc là, je rééquipe. Alors ça, c'est la vitesse réelle, hein, donc que je fais normalement ceci. Le fait que je fasse la vidéo ne me gêne pas. Alors, je connais tous les petits spots. Donc, je vais assez vite. Voilà, donc ça c'est fait, donc cette petite zone est faite. Ah, on a une réapparition donc monde sauvage, hein, on en profite, hein, moi je tape tout. Hein. Voilà, ensuite donc on va aller là-haut, j'espère que lui je vais pas aggro. Non, je l'ai pas aggro, puis au pire si j'aggro, j'équipe, bah il est équipé, je pète. Donc on va faire le petit contour, j'ai pas envie de me le taper. Ensuite je vais aller dans cette mine là. Ah, vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a pas de bots. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est ça que je vous disais. C'est-à-dire que je ne suis pas embêté du tout par les bots. La vente constante est là. Et en plus de ça, je suis vraiment pas emmerdé par les bots. Les bots, il n'y en a pas. Très intéressant. On a de l'or hein, qui se revend quand même. L'essence, ça se revend 20 000 kama. Et vous voyez, vous s'apercevoir que ça va très vite. Hein. Alors là, vous avez mon parcours en temps réel et je fais pas mal de. Vous voyez, il y a une petite menthe sauvage qui est cachée ici. Voilà. Surtout guetter la petite menthe sauvage. Ici, pareil, on a des fleurs cachées, notamment ici, menthe sauvage là. Ici, on la voit pas, elle est pas cachée, mais on la voit très mal par rapport aux couleurs. Donc le fameux Edelweiss qui coûte cher. Équipement de la pioche.
Voilà. Vous avez donc ici, on va rééquiper les petites... Alors, mettez les équipements raccourcis comme je le fais. Hein. C'est comme ça, c'est très bien. Vous avez ici carrément une orchidée frayesse qui est cachée. Vous la prenez. Et ici, pareil, une menthe sauvage qui est un peu cachée. On la voit pas très bien. C'est fait exprès, c'est pour tromper l'ennemi. Voilà. Alors, faut essayer d'aller très très vite, hein, de façon à ce que ça soit pas trop laborieux. Déjà que c'est un peu laborieux de farmer comme ça. Voilà, voilà. Donc là, je vais aller là. Cette petite mine, il me semble qu'il n'y a que du minerai. On a de l'or, pierre de bauxite et de l'or. Donc vraiment, l'or, ça coûte très cher. C'est vraiment bien. Alors c'est pas vraiment une astuce, hein, bien sûr, hein, c'est pas une astuce, hein, c'est pas une astuce, hein, c'est comment se faire des camas, voilà, simplement, sans bottes, sans se faire chier avec des bottes. Alors là, il y a une fleur, mais là, je vais pas la prendre, j'ai pas envie de me saouler, le groupe, en plus, il est tout petit, ça m'intéresse pas. Et à la limite, il serait gros, je l'aurais pris, de façon à faire level up ma dragon d'Inde, qui doit être, je le répète, au level 5. Alors ici, n'ayez pas peur, ça n'aggro pas. À partir d'ici, il n'y a pas d'aggro. Vous pouvez passer devant le groupe de mobs, il n'y a pas de soucis, ça n'aggro pas du tout. Je vais regarder juste un truc parce que ici... Ouais non, c'est bien ce que je disais, il n'y avait rien. Donc ouais, ça, c'est vraiment mon chemin. Alors ça c'est le chemin que je parcours, voilà. Je rentre dans la grotte. Alors pareil, hein, pour un gain de temps, donc je récupère d'abord les fleurs et je ferai le minerai après. Non, ici, pas de fleurs vraiment cachées, à part celle-là, un petit peu. Ici, il me semble qu'il y en a une cachée. Non, il n'y en a même pas. Alors, vous voyez, c'est magique, il n'y a pas de bottes. C'est excellent. Bon, après, est-ce que je vais donner des idées à certains? Non, en fait, les bots, il va y avoir un problème parce que c'est assez compliqué étant donné qu'il y a c'est une zone où les mobs aggro, ça va pas trop les intéresser. Et notamment le minerai aussi qui peut pas forcément les intéresser. Donc là, j'ai invoqué en plus un Bulbitref. Alors, je vais essayer rapidement. De toute façon, c'est un coup, j'invoque un dragon et puis c'est parti. Alors, c'est relativement intéressant puisque ça nous donne un petit sac de 50. Hein, c'est toujours ça de gagner. Sac de 50, je continue mon petit farm. Alors là, pour le coup, je vais essayer de je vais m'équiper de la pioche du mineur. C'est comme ça que je procède ici. C'est dommage qu'on n'ait pas tombé sur des archi-monstres. Allez hop, un autre crack-boule d'étain. En plus c'est bien parce que l'étain c'est la quête d'aujourd'hui de l'Almanax. Donc ça m'intéresse énormément. Allez, hop, un petit sac de 50 d'étain. En poids je commence à être vraiment très très lourd, mais mon parcours est vraiment super bien fait. Parce que comme par hasard, à chaque fois que je fais mon parcours, je suis full pod pratiquement, mais je suis vraiment à la limite, c'est-à-dire j'ai ce qu'il faut. Et donc je vais repartir vers Bonta. Mais par contre avant faut que je pense à level up d'un level ma petite monture. Donc je vais essayer de choisir un petit groupe sympa vite fait. Voilà, ici on a des plantes, on n'en a pas beaucoup, on a un Edelweiss et une orchidée frieste. Nous n'avons pas de fleurs cachées. Hein. Alors, faut être assez rapide dans l'équipement donc de la pioche. Alors moi je prends vraiment tout ce qu'il y a. Hein.
Il y a aussi le métier de bûcheron qui rapporte, mais c'est vraiment très très dur à level up, je dois le reconnaître. L'étain qui, je le répète, la quête d'aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Pas de réapparition de fleurs. Plus que 2 pouces à récupérer. Enfin 2 pouces, 2 mines à récupérer. Ok, et comme je l'ai dit, donc je dois level 5 la monture. Je vais prendre un petit groupe, on va prendre celui-là. Voilà, je vais m'équiper donc ça. Je m'équipe de ma panoplie full invoque. Je vais essayer, il faut être très rapide, hein, on se prend pas la tête. Tuer gobelin en premier. Bah dans ce cas-là, ce que je vais faire pour tuer gobelin en premier, je vais bien placer ça. Voilà, comme ça, je suis sûr de le tuer en premier. Impeccable. Donc déjà, je réussis le challenge. 40% de butin en plus. Dans la mesure du possible, faites les challenges. Hein. Voilà, le crackler qui va le finir. Voilà, donc là, ma monture est donc level 5. Elle est donc féconde. Je peux maintenant la coupler. Je suis trop lourd, donc oui, je m'équipe de full pod. Et là, je repars sur Bonta. Sur Bonta, première chose que je vais faire, je vais donc à l'hôtel des ventes des animaux de façon à me diriger dans la bonne direction. Faut aller vraiment très vite. Hein. Je vais ici. Je mets ma monture en stockage et j'équipe une autre que bah tout ça je dois les level up. Alors, vous avez vu, il y en a un sacré paquet. Hein. Je dois level up, donc j'équipe cette monture. Je repars immédiatement. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas le temps. Je vais directement donc à l'hôtel des ventes des mineurs. De là, je revends mon matos. Donc l'or, vous voyez, je suis 20 000 les 100. Ici 13 000 les 100 pour ça. L'étain, j'en suis à 9 500 pour ça. Ok, ça, bah 4 800. Bon, c'est pas terrible, mais c'est toujours ça de gagner. Hein. Il n'y a pas de petit. Voilà. Faut vraiment tout gratter. Hôtel des ressources maintenant. Donc, bah, j'ai mes petites fleurs. Donc, bah, 7 000. Oh, bah, il y en a qui a baissé. Voilà, on va le mettre à 7 400. Alors n'hésitez pas à baisser, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Ici 9500, je suis toujours gagnant sur la main. Peut-être parce qu'il est tard. Ici c'est bon, Edelweiss pareil. Ici Edelweiss, on y va. Voilà, je revends. Bah, j'ai ça sur moi, c'est pas grave. Je repars tout de suite. Et là, voilà mon petit chemin. Zap. Et c'est reparti. Je fais exactement en fait le même truc à chaque fois. C'est-à-dire je repars sur le bord de la forêt maléfique et je refais à chaque fois mon petit chemin. Voilà le petit loup. En fait, c'est comme ça que je procède. Vous avez également un petit coin sympa, je vais vous montrer. Alors, vous allez au coin des bouffe-tous, si jamais vous avez besoin de trèfle. Alors, on va au coin des bouffe-tous, c'est vraiment très rapide. Alors déjà, vous avez deux choses. Hein, donc, voilà. Vous avez ici des monstres qui s'appellent... c'est la rose obscure. La rose obscure et les moumoules sont deux petits monstres qui sont très bien à prendre, qui sont très faciles en plus à prendre avec la pierre d'âme. Et qui se revendent 250 000 kama pièces. Et très facile à prendre. Alors pourquoi aussi cher? Bah parce que c'est une zone très farmée par les bots. Donc ça c'est chiant de les avoir. Et c'est vraiment efficace et on a vraiment besoin. Alors ici vous avez un petit coin où, en 5-10. C'est pour donc bah, les trèfles, il y en a pas mal. On peut s'apercevoir qu'il y en a même un sacré paquet. Les trèfles qui va nous permettre d'avoir de faire des potions de rappel. Mais moi je me prends pas la tête, je revends directement les trèfles.
Alors ça, je le fais rarement, hein, je vais être franc avec vous. Je le fais que lorsque je vois que les trèfles à 5 feuilles ont augmenté vraiment de prix, c'est-à-dire des fois, ça peut arriver qu'ils sont à 12 000 kama, et dans ce cas-là, ça m'intéresse, et bah, ce que je vais faire, bah, moi, je farm hein, cet endroit-là. Et nous avons 3 cases encore, où il y en a pas mal. Si je dis pas de bêtises, c'est à gauche ou en bas. Ça fait très longtemps, hein, ça fait 2 mois que j'y suis pas allé. C'était peut-être en bas alors. Ouais, c'est ça. Vous avez donc 2 11. Vous avez énormément de trèfles. Alors ça, c'est les petits trucs à savoir, à retenir. Puis après, une fois qu'on a, on a repéré les endroits, on le fait, voilà, on en a un sacré paquet. Alors, il y en a, ils vont me dire c'est pas revendu énormément cher. Je le conçois tout à fait que c'est pas revendu très cher. Cependant, c'est une vente constante. C'est un truc, c'est pas du stock mort. Il va se revendre obligatoirement. Les trèfles se revendent, toutes les fleurs se revendent. C'est des ressources qui se vendent très rapidement. Tout le monde a besoin de ça. Donc, voilà. Ok, les petits loups, je pense que j'ai tout expliqué. Qu'on va se terminer là-dessus sur ce petit trèfle. Voilà. Je m'équipe de mon petit moumoun, j'aime bien mon petit moumoun, voilà. Bah écoutez les petits loups, j'espère que ça vous a, pour les débutants, ça va un petit peu les aider, monter votre métier de mineur. Alors vous investissez 4 millions, vous êtes level 100, hein. 4 à 5 millions à peu près, vous êtes level 100 mineur, juste en craftant, pas besoin de, obligatoirement donc d'aller miner, hein. Parce que de toute façon avec tous les bots qu'il y a, hein, c'est juste incroyablement abusé. Le nombre de bots qu'il y a, c'est dégueulasse, mais bon. Voilà, je vous dis à tous et à toutes, à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai une bonne idée en tête et je fais des gros bisous à tout le monde, des poutous à tout le monde. Au revoir Sakiwan, au revoir Jerzep pour ceux qui sont présents dans la guide. À bientôt les petits loups!